Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un big haul action, vous voyez, d'un sac qui est rempli, spécial rangement, et j'ai d'autres choses à côté. J'ai été aussi chez Aldi et chez Jiffy, donc du coup, je vais vous montrer tout ça. Vous aurez vu la petite séquence en premier lieu, donc de chez Action. Vous avez vu toutes les machines de découpe qu'il y a, je ne sais plus combien il y en avait, mais en tous les cas, c'est bien fourni sur Auxerre, donc si vous la cherchez. Et le tapis glace mat, pareil, et le tapis en verre, il y en avait plein. Par contre, ils étaient mis tout en haut de rayon. Voilà, je vous ai filmé cette petite partie pour vous dire que là, il y en avait quand même pas mal. Alors, voilà, comment dire? Je vous avais dit lors de mon dernier vlog que je voulais faire du rangement. Et du coup, j'ai pris des mesures dans mes placards, placards de salle de bain, placards de cuisine, un petit peu partout. Et franchement, voilà, je voudrais bien ranger une bonne fois pour toutes et que ça reste bien rangé. Donc en premier lieu, donc j'ai pris principalement des choses pour le rangement et j'ai pris deux petites choses de scrap. Voilà. Je vous montrerai à la fin puisque je crois que ça doit être tout en dessous du carton. Donc j'ai pris ça au rayon maquillage. Je l'avais déjà pris une fois. J'avais organisé mon bureau avec et je trouve que c'est pas mal cette petite, ce petit organiseur. Donc il y a différentes tailles. Vous voyez ici, alors je ne sais pas avec le reflet. Voilà, je vais mettre comme ça. Vous allez bien voir. Donc ici, on a toutes les tailles de noter des différentes boîtes. Et alors ça, c'était 3 euros et quelques. Je vous retirerai ou à la rigueur, je l'écris à l'écran puisque de toute façon, je vais être obligée de faire un montage. Donc oui, ça sera plus simple, je vous l'écrirai à l'écran. Comme ça m'évite de chercher. Alors on va essayer de ne pas casser. Ensuite, ah ben non, les choses pas scrap. Les choses scrap, elles étaient là du coup. J'ai pris des stickers comme ceci. Donc pareil, vous les avez vus, je me suis arrêtée dessus dans la vidéo. Hop. Alors sur le thème du voyage, je les trouvais très jolis. Et j'aime beaucoup les coloris en fait. Les coloris un petit peu vintage comme ça, avec des feuillages. Je trouvais que celui-ci était pas mal. Et je trouvais celui-ci également pas mal. Donc sur la nourriture, il y a des bretzels, vous voyez ici. Bon, on a des montgolfières avec des maisons. Ça fait un petit peu penser à la Hollande, je ne sais pas. Les sacs de farine, vous voyez, le rouleau à pâtisserie. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des gaufres, des trucs pas mal sur la pâtisserie, ici aussi. Voilà, le rouleau à pâtisserie, ici on a le lait. On a des choses sur le café, vous voyez. Du coup, j'ai pris ça en stickers. Ça, c'est les choses de scrap. Et j'ai pris également, alors, vous en avais montré deux autres la dernière fois, et j'ai pris celui-ci en argenté, parce que celui-ci, je l'avais pas. Et voilà, pour faire des albums ou des cartes de Noël, voilà, je trouvais qu'il était pas mal. Donc j'avais pris l'or et le rouge dans mon précédent haul, et là j'ai pris celui-ci en argenté. Pareil, je vous mettrai le prix. Ensuite, au rayon nettoyage, je prends comme ça vient en fait dans mon sac, hein. J'ai pris ces deux paquets de microfibres, donc on en a trois à chaque fois. Et en fait, je trouvais qu'elles étaient jolies. Voilà, on a la grise toute simple, on a une avec des feuillages et du rose, de l'or, enfin imitation or, hein. Et des rayures. Voilà, donc il y a celle-ci. Celle-ci, par contre, je me rappelle, c'était 99 centimes, donc j'ai pris forcément rose, encore avec du feuillage et ici, on a effet léopard. Voilà, lingette microfibre pour faire le ménage et le nettoyage. J'ai repris un rouleau de scotch marron parce qu'en ce moment, je fais pas mal de colis Vinted. J'ai pris pour la cuisine ce support rotatif comme ceci. Où vous mettez donc toutes vos bouteilles d'huile, poivre, enfin peu importe. Et voilà, moi, c'est vraiment pour mettre l'huile de vinaigre pour avoir tout sous la main et tourner juste ce plateau, donc pas mal. On va faire très attention de ne pas le casser, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors pareil, je vous ferai un vlog où je rangerai en même temps que vous, comme ça vous verrez. J'ai repris une boîte à clés comme ceci, parce qu'on en a déjà une, mais on a plein de clés dessus. Du coup, il nous en fallait une deuxième. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. La boîte à clés. C'est pas mal. J'ai pris trois bacs comme ceci. Deux, pardon. Deux bacs comme ceci. Avec des petites mousses antidérapantes en dessous. Donc voilà, celle-ci, c'est la 23 par 9. C'est écrit ici.
Donc j'ai pris ceci, j'en ai pris deux. J'ai pris deux petites boîtes comme ceci. Donc là, j'en avais moi dans mon SCADIS ici. Je ne sais pas si ça sera pour la scrap room, mais en tous les cas, j'ai pris ces deux-là. Alors les dimensions, c'est 9 par 9. Voilà, c'est écrit là, mais vous ne verrez pas. Donc les deux petites boîtes ici. Toujours dans le même style que les autres. J'ai pris. Alors là, j'en ai pris 2, 4, 6 comme ceci. Voilà, toujours pour la cuisine, je pense. En 9 par 32. Donc là, ils montrent ce qu'ils mettent dedans. Moi, je vais mettre certainement, si ça rentre, j'aimerais beaucoup mettre mon papier d'alu, mon cellophane et sac congélation. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Je dis bien si ça rentre. J'ai pris un petit set de table comme ceci. Un peu imitation. Vous voyez, imitation cuir. Alors, par contre, il faut que j'en remette bien à plat. Parce que dans mon sac, il a pris un mauvais pli là. Donc on va le remettre à plat. J'ai pris. Alors rien à voir avec le rangement. J'ai pris ceci. Voilà. Là. J'ai pris. Ça, j'ai trouvé que c'était super sympa. Je l'avais déjà vu la dernière fois. J'avais hésité à le prendre. Donc c'est au rayon maquillage également. C'est un organiseur de pinceaux. Voilà. De pinceaux de maquillage. Mais moi, je vais certainement l'utiliser pour autre chose. Je vous montrerai donc toujours pour la salle de bain. Donc. Et là aussi, ça tourne. Voilà, c'est tournant. Donc tout ça va aller dans la salle de bain. Je vous montrerai en vlog. Hein. Ici, j'ai pris 2, 3, 6 boîtes aussi. Comme ceci. Donc pour mes placards, j'espère que ça va aller. Hauteur, donc 26 par 18,5 par 15. Il montre les photos, même dans le frigo, ça va. Vous voyez ici et là, donc sur des étagères. Donc, s'ils sont pas mal ceux-là, j'en reprendrai d'autres, mais je vais déjà voir ce que ça représente, si j'en ai assez ou pas. J'ai pris donc ça, toujours chez Action, ce petit parfum d'ambiance comme ceci, Fabulosa Twilight Bouquet. Voilà, donc ça pour pulvériser sur les tapis ou autres. Et j'ai pris ce nettoyant multi-cleaner. Multi-surface cleaner, toujours de Fabulosa. Voilà, ça c'était pour chez Action. Vous voyez, mon petit sac est vide. Hop, ça y est, il est vide. Ensuite, je suis allée chez Aldi. Alors, à l'Aldi, j'ai trouvé ce séchoir, toujours dans le rangement, dans l'optimisation de la place, un étendoir à linge spécial radiateur. Donc, ça, c'était pas très cher, c'est pareil, je l'ai pris. J'ai pris un tapis antidérapant comme ceci. Un tapis, comment ils appellent ça? Tapis anti-poussière. Donc noir comme ceci. J'en ai déjà un dans ma scrap room. Le tapis comme ça, c'est pas mal. J'ai pris pour mettre sur mes petits tabourets en bois, j'ai pris ça en effet moumoute. Par contre, ils sont ronds et mes tabourets sont carrés, mais bon, c'est pas grave. Hop, je vous montre. Et il y avait un petit rayon Halloween où là il y avait tout à 1 €, et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc j'ai pris, c'est une toute petite coupelle comme ceci avec des araignées ici. Voilà, par contre, c'est pas très très costaud. Je sais pas ce que je mettrai dedans dans la période d'Halloween. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, une petite bannette, bannière, je sais pas comment on peut appeler ça. Et j'ai pris ceci. Donc, ce sont des mains en squelette. Moi, ça m'a fait penser vraiment à des cuillères à salade, vous savez, pour touiller la salade. Donc, je sais pas si vraiment ça sert à ça. Il marque quoi? Statuette de décoration. Non, là, c'est vraiment pour décorer. Mais je sais pas, avec le bout ici, ça m'a vraiment fait penser à des ustensiles de cuisine. Mais en tous les cas, 1 €, je trouve que c'était pas mal. Ensuite, on passe chez Jiffy. Thank you.
vous aurez eu la petite séquence où je vous montrais qu'en arrivant chez Jiffy, donc on avait droit à 30% de remise dès 50 euros d'achat. Manque de bol, je n'ai fait que 30 euros d'achat, j'étais limitée par le temps, du coup, j'ai pas pris le temps de racheter d'autres choses. C'est vrai qu'il me manquait 20 euros pour faire les 50 euros. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai pris un vase comme ceci en plastique pour remettre mon bouquet parce que dans ma scrap room, je trouvais que la petite fiole rose, elle n'était pas terrible, terrible. Et de toute façon, il me servira ultérieurement. Si vraiment je vois que ça va pas, et ben c'est pas grave. Vu le prix, il était vers les 3 euros, je crois. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les prix à l'écran, comme je vous ai dit. J'ai pris également ces petits chaussons. Voilà. Des petits chaussons comme ceci en taille S et M. Sinon, il y avait L et XL blanc. Donc ça va être le sujet d'une vidéo. J'ai pris de l'eau de panière comme ceci. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je ne les ai pas payé le prix qui était indiqué. Je les ai payés plus cher. Donc, je ne sais pas pourquoi. Même sur la vidéo que je vous montrais, c'était 2,79 €, je crois. Et moi, je les ai payés beaucoup plus cher que ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur d'étiquetage ou quoi? Donc là, c'est un lot. Vous voyez, c'est des petites panières en feutrine. Et on a 5 pièces différentes. Donc, on a une fois celle-ci, deux fois une grande comme ça, un petit compartiment avec deux. Hop. Vous voyez, bah du coup, c'est sorti. Donc ça, c'est bien. Un comme ceci et un autre comme ça. Voilà, donc ça, c'est pareil. Ça va être certainement pour la salle de bain, pour ranger les tiroirs de la salle de bain. Mais pareil, ça, je vous montrerai dans le vlog. Allez, on continue. Il y en a partout. J'ai pris également trois fois. Alors, à savoir que j'ai pas de Ikea près de chez moi, c'est pour ça que je me sers chez Jiffy. Mais je pense que des choses comme ça, il y en a chez Ikea. Donc, ils appellent ça étagère de cuisine. Vous savez, c'est pour gagner de la place dans vos placards. Vous pouvez mettre des choses en dessous et des choses au-dessus. Et ça, c'est bien. Donc, j'en ai pris trois fois. Par contre, il n'y a pas les dimensions. Ouais. J'avais pas vu qu'il n'y avait pas les dimensions. Bon, j'ai une règle pas loin, mais le temps que je la prenne. À vue de nez, ça fait bien 25 cm. Je vous redirai. Voilà, donc tout est en plastique. Hein. Et pour finir, j'ai pris ceci. Alors là, il le montre, pareil. Pour ranger également une petite étagère comme ceci. Vous montez, vous voyez, vous avez les petits tubes en plastique ici. Vous les montez et ça vous fait ceci. Voilà, donc maintenant j'ai envie de dire, eh ben, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à ranger. Donc tout ça, je vous le ferai bien évidemment en vidéo. Mes cheveux qui me gênent. Et du coup, voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Surtout, restez bien connectés pour la suite des vidéos, parce qu'il va y en avoir déjà pas mal. Et voilà, j'espère en tous les cas que le contenu vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.